quando lo spunta lui a nugula da musetta colum ne vi e gli stravelli ghilangano l'ugugnolù ai besso l'ugumpagno lo dogane e io di sole che schiarisciano le montagne e galanche di San Pedro indecido il melo d'Artagne fa gesente l'udavisco tanto mueno e gavre quando lo fa la nuova fuga serrata e le chi sono mai stanche sanno gai a lusingo sempre pietro in là domano dopo va tu la merenda ti va giù una non le tu di virette passiona vela stunda da all'uvre scuga stagnino ti va già ancuna cantata e lo nostro basture verso dalle tre confine dello e più rebusato qua so c'è sempre l'usole fiorido e lo sobrado in sobrado di verdura basturello non è più solo questa la cugino Luiso stanno è in paraeso
E faranno un fuga in questa cosa, che ne arrivano da qua su. Passare agli astri. Guarda che sembra un po' asciutato. Xavier, tapez le Bernard. Il y a les chiens avec. Il ne peut pas le tirer, il y a les chiens dans le roncier. Attenti. Samir? Attention!
Il y a un sanglier dans le roncier. Dans le roncier, il est. Il y a de tout. Il y en a une belle bande là. Oh!
Tu l'as pris. Je vais y aller. Tu l'as eu aussi? Bien, je vais descendre finir en bas. Donc. J'ai plein de génial, ils bourrent dans vers son bourré. J'en ai une tine. Laisse-les monter. Oh, là, c'est un beau film. Laisse-les monter, laisse-les monter. Attends, attends. Film. Attends. Santa ha tombato quello. La fille du monde. Bon, notre ami Samir est heureux d'être parmi nous en Corse, à Castifao, où il a pu procéder à une superbe battue. On a pris 6 sangliers. Tu en as vu combien? J'en ai vu exactement 13. Vraiment, c'était spectaculaire. Ça ressemblait même des fois presque à la Turquie, avec des postes balcon qui étaient exceptionnels, ce qui permettait, j'ai pas tiré, mais ça m'a permis quand même de profiter du spectacle, voir les tirs des autres. J'en ai quand même pris plein les yeux parce que je me fais souvent charrier par nos amis corses, mais ils m'ont mis d'accord avec tout le monde. Donc tu as vu des sangliers corses, il y a même des blancs. Bon, moi je voudrais juste dire que je connais ta valeur, je sais, Samir, ce que tu fais en Tunisie pour la bête noire, pour les chasseurs en général. Donc j'invite tous les chasseurs du monde entier à venir te voir parce que tu as des battues super, super. Je les ai vues sur YouTube et je sais que tu organises des séjours de chasse absolument extraordinaires. Donc j'invite tous les gens qui veulent voir la bête noire à aller voir Samir en Tunisie. C'est absolument éblouissant.
Voilà. Merci beaucoup Ange, merci pour ça, ça me fait chaud au cœur. Et quand ça vient d'un Corse, ça, c'est qu'au F3 parce que c'est quand même des connaisseurs en la matière. Voilà, un grand merci, l'accueil avec lequel j'ai du mal à rivaliser parce que les gens ici ne savent plus comment faire pour nous régaler, pour nous mettre à l'aise. Et là, l'accueil Corse, tous les gens qui sont venus ici savent de quoi je parle. On est accueillis comme nulle part ailleurs. Et d'entendre ça, évidemment, j'essaie d'instaurer une réciprocité dans l'accueil, j'ai du mal à rivaliser. Mais pour les chasseurs qui veulent venir en Tunisie, quel que soit l'horizon d'où ils arrivent, ils seront bien reçus. Et encore une fois, Ange, merci pour ce témoignage de ta part. C'est nous qui te remercions infiniment et on t'embrasse bien fort. Merci. À bientôt. À bientôt les gars, merci beaucoup.